Emmanuel Macron est scandé ici. Dans un instant, puisqu'il y a des projectiles, on va devoir... Vous retrouvez tout à l'heure. What do you think? America or the planet? Which one do you choose? I think America first, then the planet. Howdy! L'ambiance est absolument intenable ici à Moscou. On n'est pas en train de faire la fête, on est en train de trembler avec les supporters. Vous, est-ce que vous connaissez un joueur français? Gérard Depardieu. Si on pense France-Croatie, on pense forcément à un moment ou à un autre à Lilian Thuram. Why did you ask me about Lilian Thuram? Ok, I admit, c'est vrai, c'était pas très sympa. Okay. No, I wish you good luck, seriously. J'ai encore trouvé quelques supporters qui sont pas trop éméchés ici à la Casa Bleu. Vous avez vécu ce match à l'intérieur du stade, c'était ouais. Comment? Ah, c'était énorme, magique. J'ai rencontré Sepp Blatter à Zurich, histoire de refaire le match. Cette suspension, elle vous a fait mal? Vous l'avez vécu comment? J'ai même pas vidé mon coffre, mon trésor. J'ai même pas le vidé. Le trésor de Monsieur Blatter. Voyez. Ils s'entraînent 5 fois par semaine, sous le regard des rapaces. Ils n'ont qu'une idée en tête, rejoindre l'Europe. Là-bas, le football est plus développé qu'ici, c'est mieux qu'ici. L'île de Gorée, plus particulièrement sa maison des esclaves, je te propose de faire cette visite avec nous. Une fois qu'ils avaient franchi le pas de cette porte, pour ces pauvres esclaves, c'était adieu l'Afrique, c'était à jamais l'Afrique. On est en fait juste à quelques centaines de mètres de ce McDonald's qui a brûlé, de ces voitures qui ont été brûlées, 2 véhicules blindés de la gendarmerie. Comme vous le savez, on ne voit jamais ça habituellement lors de manifestations. Vous voyez peut-être derrière moi une voiture qui a été non seulement renversée, mais qui est maintenant complètement brûlée. Direction Notre-Dame-des-Landes, vous le voyez, il est là avec son beau caouet sous la pluie, Ben Barnier. On a enlisé notre voiture, n'est pas zadiste qui veut. On a trouvé une solution. Il y a Justin qui, gentiment avec son tracteur, a accepté de essayer de nous débrouiller. This is a message from the people of France to the American president. You say, don't mess with Texas. I say, don't mess with French wine. Tu vas pas être déçu, on va passer par un magasin d'armes, un stand de tir. There are more mass and school shootings in the US than the rest of the world. And that's probably because you can buy a gun so easily. I don't think it's because you buy a gun so easily. I think it just you just got those some of those idiots out there. A lot of people think the NRA is the devil. What do you think? That's silly. Llegamos a Estados Unidos el 11 de junio. Llegamos al centro de detención en El Paso, Texas. No los dejaron jugar allí. Era como una prisión. Do you care what other people think in the Not rest of the world? Even a little bit. Not a little bit? Not even, no.